poulet que nous, poulet bicyclette. Le poulet bicyclette, c'est encore quoi, mon frère? Comme le poulet du village. Oui, on mange le kejenu de poulet. L'autre côté d'Abidjan, on découvre Abidjan. Oui, vous dites qu'il y a le kejenu de poulet. La sauce là, on fait ça comment? C'est 7000 poulets. Il n'y a pas de problème. D'abord, c'est la sauce. Viens me filmer. Tiens, prends, tu me filmes. On va. Filme-toi. On est dans le direct. Donc, filme-toi. Tiens, bien comme ça. Voilà. Le kejenu, vous dites que la sauce là, on fait ça comment? Je peux voir. C'est pas l'argent le problème c'est. On fait ça comment? Oui. Allons, allons voir. Kejenu de poulet. Mais il faut quand même un petit poisson brisé à côté. Hein? Oh oui, là c'est. Ah, c'est ça dans les marmites ici. Je peux voir. Bonsoir. Waouh. Ça c'est le poulet, c'est le poulet du village, non? Oui, moi c'est le poulet du village que je mange. Oui, africain. D'accord, on prend un. Hein? Bon, le piment à côté. Parce... Voilà, le bouc. Ah oui, le piment qui n'est pas écrasé. Oui, dans le kejenu de poulet. Parfait. Oui. D'accord, sans problème. Donc, on va prendre un kejenu. Toi, tu manges quoi? Hein? Tu manges quoi? Parle, non, mon frère. Lui, le poisson brisé. Tu prends quoi? Kejenu ou poisson? Kejenu. Tu prends quoi? Kejenu. Bon, lui, il est le seul poisson aujourd'hui. Donne-nous ce kejenu. Kejenu, kejenu. Non, africain, comme on est des africains là. Oui, nous tous on est africains. Voilà. Hein? Bon, ça sera prêt dans combien de temps? Montre mes mamans là, non. Ça sera prêt. Parce que nous, on nous a dit hier qu'on vient à 16h, donc nous on regarde la montre que 16h arrive vite. Parce que le poisson d'hier là, c'était très bon. D'accord. Donc, on est. Ça c'est Abidjan, hein. Quand j'arrivais ici hier, j'étais traumatisé. Ça veut pas qu'Abidjan. Ça veut pas qu'Abidjan était comme ça. Montre un peu Abidjan, mon fils. Déjà, ça c'est l'autre côté d'Abidjan ici là. C'est sérieux ça. Surtout, je savais pas qu'il y a aussi les routes cassées ici à Abidjan comme ça. Les voitures comme à Mokolo là-bas. Les maisons comme à Mokolo, au Cameroun. Donc pour manger, le voyage ici là, ça a été un peu trop compliqué pour moi. Trouver à manger, c'était trop compliqué. Là, on a découvert hier ici, on fait le poisson brisé, c'est avec le kejenu, le poulet. On a découvert ça. Donc voilà, voilà Abidjan. Ça, je ne pouvais pas imaginer, sincèrement. Donc hier, j'ai mal dormi parce que... Moi, depuis la route, là, j'ai mal dormi parce que... Donc ça m'a un peu... C'était un peu brutal, un réveil brutal. Je ne savais pas qu'il y avait aussi ça à Abidjan. Donc... Parce que nous, quand on arrive là, on est dans les quartiers chics, on est dans les hôtels. Et puis, hein, on est ici à Port-Boué. J'ai dit que si on vous dit... L'explication de Port Boué en Foufoulé, c'est pas bon. C'est mieux que. Ceux qui parlent Foufoulé peuvent comprendre. Donc, quand on est arrivé ici, là, je pensais qu'on est dans un autre pays. J'ai même demandé à la révérende qu'on est où ici. Et là, c'est elle qui a dit qu'on est en Coco. Qu'on est à Port Boué, Port Boué Centre. Combien de Port Boué, oui? Vraiment, je n'ai. Pas... Il y a des choses qu'on prépare souvent les gens psychologiquement. Tu dis, bon, papa, vraiment, on va aller quelque part. Ça serait un peu différent de là où vous êtes ici. Mais c'est un peu comme si la beauté d'Abidjan, donc, c'est juste de ce côté là-bas, les cocodis, plateaux. Il y a de belles cités ici, seulement il y a des quartiers aussi populaires. Ici, c'est un quartier populaire. Mmh. Un quartier dortoir, vous voyez les immeubles là. Voilà, juste des familles qui sont ici pour dormir et puis vont travailler au plateau, à cocodis. Là-bas, c'est des communes au standing, quoi.
fallait que vous veniez découvrir le bas quartier. C'est un peu comme si même Yopougon est comme ça. Oui, oui, il y a des quartiers. Là-bas même, c'est, la population est dense et puis il y a plein de maquis, il y a plein de coins comme ça. Voilà. Donc vraiment, ça fait... Bon, le seul plaisir, c'est qu'on s'assoit là, en route, et on se sent libre, quoi. Oui, je me sens libre, oui, on mange bien. Il y a un bon prix. Parce que le poisson, s'ils ont acheté ça à 16 000, on nous fait ça ici, là, à 7 000. Donc il y a une différence. À l'hôtel, c'est 17 000. Oui. 17 000. Toi, tu vas acheter le poisson, là, combien? Hein? 17 000. 17 000. Un petit poisson, même, qui souffrait, même, si tu vois, même bien. Si on faisait l'autopsie sur son corps, là, tu allais trouver le poisson, ou bien le beri-beri dans le poisson, là. Donc, oh, ici, on te fait une carpe mastodonte à 7 000 francs. Voilà, on nous fait... Tout une marmite de. J'avais vu le Kedjeno poulet, oh, c'est pas possible. Et ça, c'est des poulets naturels. Oui, africains, comme on le dit. C'est des poulets de village, quoi. On appelle ça chez nous ici des poulets bicyclettes. Bicyclettes. Voilà. Même si c'est des poulets motards, on n'a pas de problème. C'est qu'on est un peu dépassé par. C'est pas vrai. Donc, Abidjan aussi, comme ça. Ça, c'est Tinga et Lobi. Pour ceux qui sont au Cameroun, ça, c'est pas différent de Tinga et Lobi. C'est la même terre, hein? C'est la même terre, donc tout se ressemble un peu. Vous retrouvez un peu ici. Pareil aussi au Togo, au Kenya, vous pouvez retrouver le même environnement, c'est normal. C'est l'Afrique qui gagne, quoi. Oui, mais pourquoi la télé, on ne monte pas le côté ici? Si, attends moi. Ah bon, ouais. Tu regardes pas la RTI, si tu regardes Canal, tu regardes, tu vas pas voir. Il y a des émissions, il y a des films, il y a des séries télévisées de quartier, on monte ce côté-là. Wow. Donc là, on va s'installer ici pour attendre notre poisson. Mon frère, tu étais avec qui en ligne? Quelqu'un vient, tu coupes l'appel. Non, je faisais une autre fois. Ah, ok. Seigneur, merci. Viens comme ça, non, mon frère, va en face. Non, vas-y. Bon, ici, là, si quelqu'un va à l'eau toilette, ça se passe comment? Quand ici, c'est là comme ça, les toilettes seront comment? That is the question, my brother. Comme c'est une cour familiale, hein? Ta chaise peut se rapprocher, non? Où es-tu, Zé? C'est une cour familiale, donc vous combinez les toilettes de maison. Attends. Donc, ça veut dire que c'est leur maison ici. Oui. Ils habitent ici. Oui. Ah bon? Mais ils ont l'argent, hein. 7 000 comme ça, tu dis, ça fait 70 000, hein. Ça là, hein? Quoi? C'est pour ça que cette maman a le savoir-faire du poisson braisé. Elle a le savoir-faire. Tu vois, même au Cameroun, pour avoir le poisson comme ça, peut-être le poisson était croustillant à la limite. Moelleux. Croustillant. Tu t'imagines du moelleux couvert par du croustillant? C'est extraordinaire. Même la Camerounaise, notre Camerounaise qui me faisait le poisson braisé, c'est pas comme ça. D'autres restaurants où vous m'avez apporté à manger dernièrement là. Non, elle a. Et le poisson, il est frais. Et vous pêchez ça ici à Abidjan, hein? Non, c'était frais. Voilà, chers amis, nous sommes à Abidjan. On est dans le maquis. Oh, non, il ne faut pas donner les positions des gens. Non, ça va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas latin, mais Copacabana. Non, ça va. On ne donne pas les. Non, ça va. On est à Côte d'Ivoire. On est à Abidjan. On est à Port-Boué. Les gens peuvent nous localiser par GPS. On se retrouve. On est à Port-Boué. On a commandé le poulet bicyclette. On s'en fout. On est là pour le poulet bicyclette. Donc,
Donc, ils ont dit que c'est dans combien de minutes que ça sera prêt. Elle a dit combien de minutes? C'est déjà prévu, hein, je pense que en 15 minutes. Parce que je veux conserver ça là, je veux que les gens voient ça, ceux qui ne connaissent pas, surtout mes frères camerounais. Donc j'aurai un spécial direct ce soir à partir de 21h. Laissez-nous d'abord manger le poulet bicyclette ici, avec le poisson braisé à Port-Boué. Et après ça, on aura notre direct ce soir à partir de 21h. Donc, dis merci à la Côte d'Ivoire, merci à tous les bien-aimés, tous les partenaires que nous avons reçus tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Je pense que le mois prochain, nous aurons une grande nuit de prière à Yopougon, à la Synepsie. On aura une nuit de prière et nous aurons une conférence de partenaires. On donnera l'occasion à tout le monde de participer à cette grande conférence. Ça sera magnifique, je vous dis. Sera magnifique. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes ne savaient pas que j'étais là. Hein. Mais ça, c'est terrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de personnes. Il est où? D'autres ne savent pas où la synopsie se trouve. Pourtant, ils sont à Abidjan. Mais il paraît que Yopougon, là, c'est loin. Hein. Il paraît que c'est un peu comme Biémassi, à Yaoundé. C'est ça. Hein. Mais pourquoi ne pas prendre un bon quartier comme Plateau ou Cocody ou Benjerville? Benjerville, c'est aussi éloigné. Benjerville est loin. Oui. Et c'est l'embouteillage, c'est pour ça qu'on va faire la nuit de prière. L'avantage seulement avec Cocody, c'est que c'est la commune la plus peuplée d'Abidjan. Cocody, hein? Yopougon. Et c'est la plus grande. La plus grande et la plus peuplée. Non, mais par la grâce de Dieu, le mois prochain, on fait la nuit de prière. Et le dimanche soir, j'ai ma conférence de partenaires avec service d'impartition. Ça sera extraordinaire. Donc, dès que je rentre au Cameroun, on va arranger la date. On va arranger la date. Et puis, je pense que par la grâce du Seigneur, ça sera extraordinaire. Tu écris à qui, mon fils? Si tu écris à qui, tu es concentré. Ton père te parle, tu es même toi concentré. C'est à qui que tu écris? C'est ma soeur. Ta soeur, hein? Ta soeur, comment? Quelqu'un a dit que le Seigneur a béni. On dit que oui, le Seigneur a béni. Il n'y a pas de problème. Hein? Il est passé comment pour bénir? Il peut nous laisser. C'est la méthode qui l'a envoyé. Parce que je connais subitement, on comprend le Seigneur, il bénit subitement, mais on ne refuse pas. Le problème, c'est le moyen qu'il a, il est passé par quelle route. Mets-toi à ma place, quelqu'un tient ton chantier, il vient à pied, quelques semaines après, tu trouves une belle voiture garée, tu demandes, le gars te dit, tu sais pour qui, on dit que c'est pour l'entrepreneur. Tu lui demandes que frère, tu as eu la voiture comment? Et c'est pour qui? Tu as loué, dit c'est pour moi. Tu as eu comment? Le Seigneur a béni. Moi-même, j'enseigne que le Seigneur béni, mais. Non, moi je lui avais dit que. Amen. Le Seigneur a béni, nous rendons grâce au Seigneur. Qui sommes-nous? Pour nous opposer au Seigneur qui nous bénit. Mais il a fait comment? Il a béni comment? Il est passé par quel moyen? Et là, la réponse n'était pas convaincante. C'est que non, ma femme a gagné la tontine. Il y avait la tontine de ma femme quand on a acheté la voiture. Depuis des années, ta femme est dans la tontine, elle rabat la tontine. On n'a jamais acheté la voiture. C'est maintenant que la voiture est achetée. Donc, c'est un peu ça. Quand vous entourez personne qui ne craint pas Dieu, c'est. Mais là, vous voyez, le repas, c'est. Le genre de ma mamie, c'est là, c'est. J'ai jamais vu ça. Hein. Il n'y a pas ça au Cameroun. Oui? Hein? Mais il n'y a pas ça chez nous au Cameroun. Non, non. Il n'y a pas ça au Cameroun. Le Ndomba. Hein? C'est un peu comme le Ndomba. Oui, mais ça c'est bon pour le Ndomba. Hein? Si les Camerounais peuvent découvrir ça, ils achètent ce genre de mamie. On peut même faire le commerce des mamies. Là, on achète ça, nous, on ramène ça là-bas. On dit que mamie pour Ndomba. Pratique, tu achètes la mamie. Nous, on fait que
quand on te sert, tu peux avoir la mambe une fois, tu veux rembourser. On dit non, pas avec. Mais vous ne buvez rien comme jus. On boit beaucoup d'eau maintenant. On nous avait enseigné qu'on doit le faut boire du sucre. Oui. Les boissons gazeuses. Donc on est entré tous dans le challenge. Star Time fait 500 francs le décodeur. Hein? Grand promo chez Star Time. 200 chaînes, 500 francs le décodeur. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas le décodeur là. Mm-hmm. Si on n'achète pas, ils vont nous donner gratuitement. Ça sera prêt dans combien de temps? Fallait demander dans combien de temps? Comme le direct a déjà mis long. Donc bien aimé, nous sommes à Abidjan. Pour ceux qui ne connaissent pas Port Boué et ce côté d'Abidjan là, vous allez découvrir ça, c'est la vraie beauté d'Abidjan. Voici donc notre Abidjan. Désormais c'est ici que nous, quand on arrive, on va éteindre ton téléphone là. Je veux entrer dans le direct. Ça va mon fils, n'éteins pas, entre dans le direct. Donc nous sommes ici à Abidjan, voici notre... Désormais, est-ce qu'il n'y a pas les hôtels ici? Et on veut les hôtels, maintenant on veut louer nos hôtels ici même, à Port Boué même. Tu as vu? Il y a tellement de faux profils en mon nom, vraiment. Le vrai même, c'est où? C'est celui-ci. Oui. Ah, nous aimons Abidjan. Nous aimons Abidjan. We love Abidjan. Bonsoir, bonsoir. Demande à papa. Oui. Je suis depuis l'hôtel. Pardon. Depuis l'hôtel. Depuis longtemps. Ah, longtemps, ok. Je suis via les réseaux sociaux. Ah. Je suis pasteur. Ah. Et je disais que si un jour tu me faisais la grâce, oui, il y allait un mouvement vers vous au Cameroun. Oui, ok. Moi, il y a plus que vous étiez en Côte d'Ivoire tout à l'heure, tout en famille là. Oui. Quand je me suis connecté, moi, je vous étiez en direct à Port Boué. Oui. Montre le nom. Toi, tu filmes même comment? Mon fils vient, il dit que voilà. Oui, il a vu le direct. Asseyez-vous, il n'y a pas de problème. C'est ça que. Histoire de servir, oui. C'est ça que je lui ai dit de ne pas dire l'emplacement exact. Qu'elle dit simplement Port Boué. Parce que sinon, les gens vont nous localiser ici. Comment vous allez alors? Venez vous asseoir, non? On parle un peu, il n'y a pas de problème. Donc je vous ai dans le quartier ici. Hein. Bon, moi je n'habite pas ici, je suis à Vrédicité. Ah, Vrédicité, oui. Là où s'est tenue la conférence, oui, de, oui, oui. Mm-hmm. D'accord. Et le ministère, c'est comment alors? Le ministère, ça va? Bon. Dieu fait grâce, Molo Molo. Amen. Petit à petit. Mm. Ah, ici on dit aussi Molo Molo. Hein. Oui, Molo Molo. Ça, au Cameroun, c'est la même chose. Non, si on dit Molo Molo au Cameroun. Mais je disais que la terre ivoirienne est bénie en fait. Vous êtes dans un pays béni. Un pays vraiment béni. Ça c'est... Voilà. Ça se mange avec quoi? Le riz, c'est parfumé. Je veux le riz parfumé. Est-ce que le riz est prêt? Est-ce que la tchéké est prêt? Donnez la tchéké alors. Parce qu'on doit manger que Dieu nous avait à tchéké. Apportez deux plats, je suis avec mon ami.
Ah, vous aidez à manger. D'abord, excusez notre Kedjeno de bicyclette. Montre un peu le Kedjeno là que les gens voient. Poulet bicyclette. Hein? Poulet bicyclette. Donc voilà ça. Hein? C'est quoi? C'est venu juste pour la vidéo. Ah, donc c'est, mais j'espère que c'est bien cuit. Il y a beaucoup de piment. Hein? C'était pour quelqu'un. Attends d'abord. C'est mon plat quoi, donc c'est le premier qui était prêt. Donc on a servi juste pour ça c'est bicyclette vraiment. Ça c'est un poulet vraiment qui fait de la bicyclette. C'est pas possible. Donc ça c'est Kedjeno. Tu as filmé, filme encore mon fils que les gens voient. Hein? Nous avons vous venez quand à Waka. Du coup. Mais ça c'est extraordinaire. Hein? Il y a qui? Eli Franck. C'est vous Eli Franck? D'accord. Mm-hmm. D'accord. On va prier. Vous voulez qu'on prie pourquoi? On prie pourquoi? Pour le ministère ou... D'accord. Mettons d'abord que je ne de côté, pardon. Maintenant, c'est les affaires spirituelles. Oh, Atcheke. Pourquoi Atcheke là, c'est petit comme ça? Hein? Normalement, avec un poulet bicyclette, il faut que... Ça, c'est la portion d'Atcheke, ça ne va pas suffire. Ça, c'est la portion qui va avec bon, le plat. Vous pouvez commander encore... Bon, vous voyez, ça, en fait, au Cameroun... Ça, au Cameroun, nous, on ne mange pas ça comme ça. On mange avec le kosam, le lait. Le lait, le yaourt. On verse dans le lait, l'eau, là. Oui. Un peu comme... Ça, c'est, on appelle ça d'Akere, chez nous. Où ça? C'est un peu comme le lait. Comment vous appelez ça? Le dégué là. Dégué, quoi. Voilà, nous on appelle d'Akere. Nous on appelle ça d'Akere. Nous on appelle ça dégué. Ok, on va prier en dessous. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ton serviteur. Merci pour la communion fraternelle que tu nous accordes. Merci pour ton appel dans sa vie. Merci parce que tu as accompli les choses que tu as dites à son sujet au nom souverain de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole que si Dieu d'entre vous s'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque en mon nom, je le ferai. Demandons que tu bénisses son ministère et que tu sois fidèle à tes promesses pour sa vie et qu'il marque cette génération. Nous avons besoin de moissonneurs. Parce que toi-même, tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans le champ. Père, qu'il soit un ouvrier redoutable dans la moisson, dans cette nation, dans d'autres nations, pour ta gloire et ta seule gloire, au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'homme de Dieu, Dieu vous bénisse. Hein? Donc voilà, bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu. Tu fais le direct, tu filmes ma tête, mon fils, les cheveux. C'est ça quand tu prends un pasteur pour filmer. Père, merci. Voilà, bien-aimés, nous avons rendez-vous ce soir à partir de 21h en direct. Nous allons parler de la raison pour laquelle les pasteurs divorcent et vont encore divorcer. Et on va entrer dans le mystère de ces révélations pour sauver plusieurs couples qui sont là maintenant dans les problèmes et pour sauver par anticipation ceux qui vont se marier dans la suite. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Souhaitez-nous tout simplement bon appétit en commentaire et... Vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Arrête alors.